Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Seven Devil Seals, jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous souhaitez avoir des informations. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de votre défense de taverne. Je ne sais pas si vous le savez, alors au début vous ne l'avez pas, ce sera en avançant dans le jeu, vous aurez la possibilité de déverrouiller Oslo, le chien qui se téléporte dans le jeu, qui vous permettra d'attaquer d'autres tavernes, d'autres joueurs. Aléatoirement, c'est pas vous qui choisissez. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ici invoquer un tirage au sort de cartes, vous aurez la possibilité d'avoir Oslo dedans. Donc si vous avez 3 Oslo, vous aurez la possibilité d'attaquer une taverne d'un autre joueur. Pareil dans le sens inverse, c'est-à-dire que d'autres joueurs pourraient attaquer la vôtre. Alors je sais pas, personnellement, je n'ai pas vu, je crois, de gens qui ont attaqué ma taverne. Moi j'ai rien vu pour l'instant, personne qui a attaqué ma taverne. Mais en tout cas, vous pouvez attaquer vous les tavernes des autres, et bien sûr les autres pourront vous attaquer. Bien sûr, vous avez la possibilité de vous défendre grâce à votre défense de taverne. Donc là, déjà première chose à savoir, je vais vous montrer ici au niveau du tirage, ici au niveau du dé. Une fois que vous aurez déverrouillé Oslo, donc c'est ici, ouais, récompense de carte Oslo, quand vous l'aurez en triple, vous pourrez attaquer pillage de taverne. Comme là, vous voyez, le trésor, voilà. Vous avez 25% de chance d'avoir inférieur, commun, supérieur, ultime. Voilà, ça c'est comme ça, bien sûr, plus vous avancerez dans le jeu, plus vous serez fait meilleur. Et ça aussi, ça se monte en niveau. Et donc, bien sûr, pour résister au pillage de taverne, il faut monter votre défense de taverne. Donc, vous venir ici au niveau de la taverne, et ça se monte grâce au point stellaire. Donc ici, vous avez les petites étoiles, bon, ils sont enlevés le dessin, mais c'est ici, vous voyez les 3 étoiles qui sont là, cliquez dessus, et il y a écrit « Protection contre le pillage de taverne ». Donc actuellement, je suis niveau 6. Donc au maximum du niveau que je suis, voilà. Mais plus vous montrez votre taverne et vos étoiles ici, plus vous aurez de protection contre les pillages de taverne. Donc ça veut dire que logiquement, si vous avez une meilleure protection que l'autre qui vous attaque, s'il vous pille, il ira. Alors pour l'instant j'ai toujours réussi, donc je pense qu'à chaque fois vous réussirez. Mais je pense que si, avec une meilleure défense, je pense qu'il aura les plus petites sommes possibles. Voilà. Donc c'est une des premières choses à monter ici au niveau du thème de la taverne. Voilà. Si jamais vous savez pas comment marche le thème de la taverne et que vous savez pas comment obtenir des points stellaires, là c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sur mes chaînes YouTube, sur mes playlists. Je vous explique tout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos, cocher la cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.